Les gars, premier épisode de ma nouvelle série GTA RP sur le serveur GTA Live. Je suis en live tous les jours de 13h à 17h. Le lien est dans la description. Salut Moufou. Salut. Ça va? Ça va tranquille. Ah là, je me repose un peu parce que... Qu'est-ce que tu fais aussi? Ah bah j'attends de voir ce qui va se passer quoi dans la ville. Le problème c'est que... En fait tu vois là j'ai un peu froid. Je cherche un magasin d'habits, mais j'ai pas trouvé, du coup je me suis reposé un peu. Ah ok, moi j'ai connu un magasin de vêtements pas loin, mon frère. Je peux t'y rendre? Bah vas-y, tu fais chaud. Vas-y, lève-toi, mon frère. Ah c'est bon, il y avait un chewing-gum. Mon short il était collé. Oui, c'est des fils d'habits qui mettent des chewing-gums par terre là. Ouais, non, c'est vraiment des fils d'habits. Ouais, ouais. Ah vas-y, je te suis. C'est loin ou pas? Non, non, c'est jusqu'à ton, à côté, mon frère. Viens. Vas-y, j'arrive. Bonjour. Bonjour. On fait un petit footing, mon frère. Vas-y, je me suis reposé, donc vas-y. Allez, c'est ici, mon frère. Ah, c'était juste à côté. Ouais, j'ai eu chaud. Malade ici, mon frère. C'est des malades. Ah ouais. Eh, t'as pas animé de fond, mon frère? Si, mais j'arrive pas à accéder à mes poches. Je te okay, dis après, attends. Vas-y, vas-y. Ils sont tous mieux dans cette ville ou quoi? Ah ben, ils sont mal polis. Ah ouais, c'est des ânes qu'il est, hein. Bon, attends, je vais me changer. Ok, ok. Shadow dehors, mon frère. Ah, vêtements, utilisés. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est la reste, mon frère. Mais toi, pourquoi t'as acheté que le haut? T'as pas acheté de pantalon? Je suis classe comme ça, hein. Faut pas ouais, avoir plus. Non, c'est stylé, mais tu vas avoir froid hein, le soir. Non, t'inquiète. Il non, est sinon, assez grand, mon kiki. Il est assez grand. Ça change rien. Ouais, mais fais gaffe parce que il peut dépasser du short. Hein. Ah ouais, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait 40 cm, donc c'est un peu chaud. Hein. Après, si y a quelqu'un qui porte plainte, tu vois, pour atteinte à la pudeur. Ouais, mais attends, je vais m'habiller. Attends. Vas-y. C'est mieux comme ça, mon foie. Mais c'est une tenue de judo, ça, non? Non. C'est une tenue de taekwondo. Ah, on dirait le Pokémon qui fait du karaté, là. Ah ouais, je connais pas. Bah après, c'est un style, hein. Moi, je juge pas. Hein. Moi non plus, je juge pas. Il a la même tenue, lui. Ouais, c'est un copieur. Mais non, ça se vend vite, c'est tout, les tenues comme ça. Ils ont encore plein de stock. Mais je crois qu'il est muet. Bah, il est en train de chier ou quoi, là? Ça fait longtemps que t'es en ville? Non, je viens d'habiller hier. C'est quoi ton petit nom? Ah, c'est Dino. Dino Dabato. Dino, c'est ton prénom? Oui, c'est mon prénom. Y'a un problème. Comme un gros dinosaure. Exactement. Tout le monde m'appelle comme ça, le gros dinosaure, quoi. Ouais, quand t'arrives vers les gens, tout le monde se barre, ils flippent. Ouais, ouais. Surtout avec ma tenue, là. Ouais, moi, c'est Dani. Dani? Moi, ah, c'est bah, Dino, Dani. Cool, attends, parce que j'ai un écran noir sur mon téléphone, je le vois pas. Enfin, je vois pas l'écran, c'est bizarre. Fais une petite sieste là pour voir. Ouais. Salut mon frère, ça va? Salut. Dinosaure. Un jour où s'il y a des gens qui nous font chier, on arrive, on est le dinosaure. Ouais, mon pote. Toi, t'es un dinosaure, moi, je suis un dinosaure. Ouais, mais je vois toujours pas l'écran de mon téléphone. Je crois qu'il est cassé, hein. Je crois que j'ai une solution. Je prends toutes les solutions là. Pose-toi comme ça, pose-toi. Vas-y. Ok, mon frère. Regarde, ouais, hein. Vas-y. Tu fais quoi? Il faut contacter Dieu, hein. Regarde. Ouais, mais. Regarde là-bas. Moi, je suis pas trop croyant, tu vois, donc. Je vais plutôt contacter un informaticien. Ah, bah voilà! Et bien. Wesh, qu'est-ce qu'il m'a mis, ouais? Ah bon? Attends, je vais mettre FDD, fils de dinosaure. Oui, c'est un mec par terre. Monsieur? Je crois qu'il faut que j'appelle l'ambulance, hein. On va appeler, hop. Elle ne peut pas vous transférer aucun récepteur disponible. Ah, bah, super. Mais ils font quoi, hein? Il faut se calmer dans la vie. C'est pas frapper les gens comme ça, monsieur. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, c'est pas possible le nombre de personnes qui se font tabasser ici. Vous voulez que j'appelle la police? J'ai déjà appelé mais ça répondait pas, je réessaye, attendez. Monsieur, pourquoi vous l'avez frappé? Pardon? Ouais, vous. C'est vous qui l'avez frappé? Tout à fait, ouais. Mais pourquoi? Parce que cet homme-là, ici, frappe pour aucune raison, d'accord? Ouais, mais il faut aller porter plainte, faut pas le frapper, sinon vous pouvez avoir des conséquences avec la police, vous aussi, hein. Je suis pas une victime. Ouais, mais là, vous en avez fait une victime, du coup. Et en plus, j'ai pas de policiers, j'ai appelé, y'a personne.
Vous avez de la chance. C'est la légitime défense. Attends, je t'aide. Tu peux te relever ou pas? Ah, c'est bon, voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis sapologue. Vous êtes quoi? Je peux... Je suis sapologue, je peux vous relooker. Non, merci, vraiment un petit prix. Vraiment un petit prix, un costard, ça va tout. Ouais, non, merci. Je peux vous faire ouais, ça. Non, merci. Ah, je peux vous faire ça, hein. Vraiment, c'est pas cher. Là, ah, vous êtes vraiment méchant. Bah, je m'excuse, je suis pas méchant. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Par contre, si vous voulez, j'ai des habits que j'ai trouvés par terre, qui sont tout propres. Non, juste, vous voyez là, vas-y, dites-moi alors, montrez-moi. Il y a une fille sur le toit, il y a une gazelle sur le toit. Putain, je vais sortir mon téléphone, je vais... J'ai des petits yeux, moi. Regarde, saute ton téléphone. Vas-y. Tu mets la caméra, et tu vois la petite tête blonde là, à côté de l'arbre. Je vois une tête, hein, une demoiselle. On peut zoomer sur le téléphone? Ouais, sur le toit là, tu la vois pas? Non, je vois pas du tout, moi. Tu es vraiment aveugle. Là, non, juste le. Ouais, je suis aveugle. Juste le, là. Juste ah oui, le. Je la vois, c'est bon. Ah oui, je la vois, c'est bon. Ah vrai, c'est ma mère. En fait, elle est là-bas, elle est à droite. Quoi? Je crois, elle prend l'air, c'est ma maman. Mais elle fait quoi sur le toit? Ça, elle, la tête, hein. Elle va pas sauter. Ouais, si elle glisse peut-être, hein. Elle va peut-être glisser. C'est pas gentil de dire ça, monsieur. C'est pas grave, j'irai la soigner. Ah, vous êtes médecin, je suis sapologue. Les sapologues savent toujours soigner. Ah bah oui. Je suis soigneur aussi. Soignez bien la tenue, quoi. Eh oui. Je vois. Eh oui. Eh oui. Allez, monsieur. Bonne journée. Je suis sapologue. Ah, vous aussi, au revoir. Ah bah, monsieur. Comment? Je peux prendre votre numéro au cas où que j'ai besoin de vous, non? Oui, monsieur, allez-y. Allez-y. Je suis sapologue. Sapologue. Allez-y, dites-moi. 555 9 3 607. Je marque sapologue ou vous avez où je mets votre prénom? Oui, sapologue. Ouais, c'est bon. Je vous appellerai Super. Si jamais j'ai besoin de vous pour un ami ou pour moi. Y a pas de souci. Bon allez, bonne monsieur. Journée. Allez. Bonne journée, au revoir. Bisous. Bisous, il m'a dit wesh. Attends, je crois que j'ai eu un message. Ah merde, on est là, mon fieu. Merde. J'avais pas vu. Attends, j'arrive. Ouais, dinosaure. C'est pas lui. Si, c'est lui. Ouais, dino. Wow, ça va ou quoi? Attends, ça regarde. On est le dinosaure. On est le dinosaure. Allez, viens là, mon frère. Ouais. On est les dinosaures, quoi. Regarde, des mecs qui nous font chier, on se met comme ça, attends. Vas-y, refais ta pause. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, on est là. Bon, alors, ça en fait quoi? Toi, tu veux faire quoi dans la ville? Moi, je sais pas, hein, on va voir. Hein. On va voir ce que l'avenir nous prépare. Eh, si jamais tu trouves que t'es mal habillé, j'ai un numéro d'un sapologue, ça s'appelle. Non, mais c'est bien, non? Il y a un gars, il est venu, il m'a dit, je suis sapologue. Je vous rhabille comme vous voulez. Donne-moi ce numéro de téléphone. Vas-y. Je vais voir. Même si je suis bien habillé, hein. Attends, tac. Comment on voit le numéro? Ah bah. Il doit y avoir une touche sur mon Nokia, mais je sais pas laquelle. Il y en a trop. Merde! Attends, il y a un inconnu qui m'appelle, c'est qui? Non, c'est moi. En fait, tu l'appelles et après tu vois son numéro, mon frère. Ouais, mais après il va voir que je l'ai appelé, il va me rappeler. Puis il est bizarre. Non mais. Vas-y, attends, je fais ça. Non mais dis-lui juste que y a quelqu'un qui veut le voir ou quoi, parce qu'il est sapé comme jamais quoi. Ouais, je lui demande son numéro par message, attends. C'est bon, je l'ai envoyé, mais en vrai, je doute que sapologue, ce soit un vrai métier. Hein. Ah, si jamais, là-bas, vers le magasin, il y avait plein d'habits par terre. Moi, comme Clodo que je suis, ben, j'ai tout pris. Ah, merde. Montre-moi qu'est-ce que t'as pris, mon frère. Vas-y, attends. Espèce de clochard. Viens voir au LTD pour voir s'il y a quelqu'un qui peut nous... Qui peut attends, nous donner des armes. Truc, vite fait. Des armes, pourquoi faire? Pour botter des culs, quoi. Mais il faudrait qu'on achète un GPS. On peut pas en acheter un? Bah si, moi j'ai un GPS, moi. Vas-y, attends, 2 secondes. C'est au LTD, mon frère. Vas-y, go. Je connais aussi quelqu'un qui prend des outils de crochetage, quoi. C'est quoi, LTD? Viens avec moi, on va faire un petit footing. Le dinosaure. Toi, c'est un dinosaure, mon frère. Moi, c'est dinosaure. T'as vu mais du coup, au pluriel, on dit quoi? Dali Dolizor. Ouais, vous savez pas vous garer quoi. Bon, pourquoi tu marches comme ça là? Attends, marche, montre ta démarche là. Je marche mon âme. Non, maman, mon frère. Mais non, là, on dirait que t'es bourré. T'as pris un joint ou pas? Bah, comme d'habitude quoi. 5 fois par minute. C'est normal, non? Vas-y, je te suis. Allez, 2, 1, let's go.
Vas-y, c'est la route de la mort. Ouah. Si on arrivait pas, c'est vraiment un miracle, hein. C'est la prison ici à droite, là, non? C'est Warzone, mon frère. Les dinosaures, on écrase tout. Ah merde. Oh, le trottoir, il t'a pas respecté. Oh, debout. Attends, je t'aide. Vas-y, relève-toi. Ah, je suis lourd. Ah, attends, mais tu t'es endormi ou tu t'es tapé le trottoir? Ah, je suis narcotique, mon frère. Hein. Ah, bah super, bah, on est mal barré. Non, mais t'inquiète. Vas-y, on va où du Allez, coup le petit footing. Allez, 3, 2, 1. 1, 0. Mais toi, t'es bourré aussi. T'as vu comment tu cours? Attends, moi, il faut que j'aille aux toilettes 2 secondes. Je vais aller pisser vers l'arbre. Debout! Debout! Bon, attends, j'arrive, je vais pisser, je reviens. Ouais, il est où lui? Il est en train de chier! Oh non! Eh, mais on va où en vrai? Chaque gangster, moi! Toi, t'es un gangster! Mais bien sûr! Dinosaure gangster! Aïe aïe aïe! Aïe aïe! Et moi, mon faux! Le dino train! Ah. Le dino train! Oh, ah bah voilà, voilà, tu veux faire un footing, voilà. Bah super. Ça va ou pas? J'appelle l'ambulance ou pas? Mais il vient droit jamais, c'est fils de pute. J'appelle, attends. Ça sert à rien, il vient droit jamais. Tiens, creuse cette queue là, vous êtes que... Quoi? Quoi? T'as dit quoi, mon frère? Ah, arrête de le piétiner, wesh. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y. Tu vois le magasin là-bas? Tu vois le magasin là-bas? Ouais, ouais. T'achètes à boire, à manger et un GPS. Non, pourtant, enculé. Et toi, t'en as? Ouais, moi j'ai tout mon feu. Vas-y, j'arrive. Reste ici, fais-toi pas écraser une deuxième fois. Je vais dormir un peu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir de l'eau, deux, trois trucs à manger et est-ce que vous vendez des GPS? On vend des GPS, effectivement. Alors, on a des Jupiler à la place de l'eau, c'est plus rafraîchissant. Ouais, et ouais. À manger, on a plus de burgers, je suis désolé. Bah, ah, vous avez plus de l'eau et puis un GPS, c'est cher ou pas? Non, mais c'est des Jupiler à la place de l'eau. Ouais, mais et c'est va, 10 dollars vraiment plus de masse. 10 dollars unité. Ok, ok. Jupiler. Et donc, vous voulez combien? Dites-moi. 10. 10 Jupiler avec un GPS, très bien. Yes. Donnez la facture. Ok, attendez, je vous paye. Ah, bah, super. Allez, Abdel, il y a un pédophile. Ok, c'est bon. Ça, ouais. Abdel, il y a le pédophile derrière, en blanc. C'est qui? Voilà pour vous. En blanc, le pédophile. Merci bien, monsieur. Ok, oh, ouais, t'es où? Non, c'est ce que j'écris à un chinois, il me parlait. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce qui? Non, frère, je suis dangereux ici. Mais tu fais quoi? Ouais, le dinosaure, eh, t'es là? Debout. C'est bon, mon gars. J'ai acheté une arme. C'est faux. Moi j'ai acheté, ils ont plus d'eau, ils avaient des gibulaires, je sais pas quoi, mais du moment que ça se boit, je m'en fous. J'en ai acheté... Quoi? Je sais pas, c'est... attends, je te dis. Mais tu l'as acheté où, toi? J'ai acheté mon GPS au calme, ça fait plaisir. Combien? Je sais pas, j'en ai eu au total pour 220, je crois. J'ai pris 10 bouteilles. Quoi? Bah ouais, on est là. Mais mon frère. Moi j'ai acheté mon GPS 250$, juste un GPS. Tu t'es fait arnaquer. Oh les fils bon. De pute. Attends, parce que là, il faut que je dorme, je peux plus ouvrir mes poches, là, elles sont bloquées. Ah, mais toujours, t'as les mains collées dans tes poches, mais oui, toi. Mais non, mais c'est la fermeture éclair, elle est bloquée. J'achète que de la merde aussi. Vas-y, moi je veux faire une sieste, moi. Allez. Sur le banc, pas par terre, clochard. T'as vu ta dégaine? On dirait que tu viens de dormir. Mais moi, je suis bien sapé, hein. Toutes les mecs, elles viennent de moi. À chaque fois, je me réveille et je vois ta tête, je suis comme ça. Ah bah merde, eh mec, j'ai pas fait gaffe ce qu'il m'a donné, mais en fait, c'est de la bière que j'ai acheté. Ah bah, viens voir, putain. Si t'as de la bière, c'est génial. Mais la bière, ça s'édifie pas forcément les putes. Ah ouais. Moi, t'en as besoin, du coup. Ah oui, puis en fait, ils avaient plus de burgers, hein, ils avaient plus rien à manger. Du coup, ah faut ouais, aller mais dans une autre boutique, non? Il y a des Twix. Non, il avait plus rien, il m'a dit, je lui ai dit, donne-moi un truc à manger, il m'a dit, j'ai plus rien. Attends, viens. Toi t'es un con, toi tu vas viens. Moi je suis un dinosaure. C'est moi le dinosaure quoi, c'est moi. Toi t'es, la... toi t'es un dinosaure, t'es pas un dinosaure. Ouais mais c'est pareil. Moi un dinosaure, je suis une espèce rare. Bonjour mes amis.
Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, mon frère. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Ça va, mais si vous avez pas 100 dollars pour que j'ai pu se manger? Ouais, moi je viens d'arriver. Moi je viens d'arriver, ah. C'est chaud, hein, d'argent. J'ai même pas 1 dollar dans les poches, qu'est-ce que tu me regardes? 16 dollars peut-être pour une bouteille d'eau chocolat. Non, mais je vais aller. Si tu veux, j'ai de la bière, tu veux de la bière. Merci, tu peux me l'amener à manger? Tu veux de la bière? De la bière, oui, si ça, oui, je vais bien. Mais avec ça, je peux t'en donner 2 si tu veux. Merci, merci. Eh, la bière, c'est cher, hein. La bière, ça coûte 30 dollars. Attention. Non, on s'en fout, je suis gentil, moi. Merci, merci, monsieur, merci. Ok, ok. Merci. Ah, attendez, je suis... Merci, mon ami. Une tablette de chocolat. Oh, merci, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup. Amel, attends, je vais aller acheter du chocolat et je vais te donner. Merci, mon ami. Ok, mon frère, vas-y, j'ai envie. On est les dinosaures, faut pas oublier, d'accord? Il faut se faire un nom dans la vie. Vas-y, vas-y. Ouais, mais pas trop, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Monsieur, si tu veux garer ta voiture... Mais tu la gares genre tranquille. C'est bleu, ouais. Déjà. Tu vois, tu veux garer ta voiture, tu payes 100 dollars là-bas et genre. Vas-y, y en a un qui reste dans le véhicule. Merci, mon ami. Viens aussi, toi, viens, mais, viens. Mais moi j'ai déjà acheté, va acheter, toi. Non, mais je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc, mon frère. On arrive, monsieur. Vas-y, viens. À qui, à moi? Non, attends. Ouais, si, je vais acheter des tablettes du chocolat. Ok, mon ami. D'accord, mon frère. Allez, au revoir, mon frère. À tout à l'heure. À de suite. Voilà. Flo négatif. Vraiment négatif. Viens ici, mon frère. Viens. Viens ici, mon frère. Donnez la facture. On l'a donné. Voilà. C'est des meilleurs goûts. Okay. Regarde ici, mon frère. Regarde. Ah bah voilà, bah fallait me dire aussi, toi. J'ai reçu les jeux. Oh, t'as cru que t'étais caché là, fils de chien. Là, tout le monde te voit. Gentil. Vas-y, je remonte dans la voiture. Monsieur, vous pouvez aller là-bas? Vous voulez qu'on aille là-bas? Attends, monsieur, attends. Faut que je bois un coup, là. Oh, merci, mon ami. Merci beaucoup. J'ai mon frère. Merci, mon merci. Frère. Merci. Vraiment, tu gères, mon frère. Tu t'appelles comment, toi, mon frère? Moi, c'est Ramon. Ramon? Tu vas de quelle origine, mon frère? Ukraine. Et toi? Moi, c'est les Antilles. Et tu t'appelles comment? Les Antilles. Moi, c'est Dinosaure. Et je m'appelle Dino, si tu veux. Mais Dino. Le Dinosaure, quoi. Le Dinosaure. D'accord. C'est stylé comme nom. Et moi, lui, c'est il s'appelle le Danizor. Le Danizor. Danizor. Donc, c'est Danny. Ouais, on est des Danny Danizor. D'accord. Ben, enchanté, les amis. Et merci encore. Passez une bonne soirée. Pas de soucis. Bonne soirée. T'as pas un numéro de téléphone parce que j'ai pas trop de potes, hein. J'ai pas de téléphone. Ah merde. Attendez. On m'a donné un téléphone tout à l'heure. Enfin, on me l'a pas vraiment donné, mais. Les gars, s'il vous plaît. Ouais, c'est dans l'avion, quoi. Vous m'entendez? Salut, mon frère, ça va, quoi? Ouais. Salut, mon frère. J'ai essayé de mettre de l'essence, mais j'arrive pas à redémarrer le véhicule. Je peux aller parler pour 200 dollars si tu veux. Ah bah, c'est un alacal, lui, hein. Vas-y, viens, on se casse. Eh, hey, Dinosaure, c'est pas que ton nom, c'est notre groupe. Sinon, ouais, mais je dis ça, pas, hein. On est les Danny Donizor. Ou les Daniosaures. Les Daniosaures. Exactement. Il y a le feu, wesh. Bah, du coup, on va où, là? Faut pas aller trouver un emploi. Tu veux pas? Moi, j'ai déjà un emploi, mais je travaille pas. J'ai un emploi, mais je travaille pas. Attendez, ils ont fini le travail. Un coup. Attends, ils ont laissé pas, en fait. Oh, ça se tabasse. Ça se tabasse. Regarde. Viens, on lui demande où elle a trouvé les armes, mon frère. Mais non, mais ils se sont tapés au point, je crois. Non, mais non, il avait une lampe de torche. Il avait une lampe de torche, mon frère. Salut, mon frère. On a des armes? Oui, ça va. Non, mais vous voulez être nos copains? Tu t'appelles comment? Oh, bah, tu veux pas être mon copain, tiens. Je suis pour me protéger. Bah, si. Et tu t'appelles comment, mon frère? Bah non, c'est beau, nous on est des fois, on a un groupe de copains, vas-y, c'est beau, c'est pas grave. Vas-y, nous aussi, on est les dinosaures. On est les dinosaures. C'est un duo. Bah, on est un duo dans un groupe, alors. Un duo à quatre. Je pouvais pas acheter le couteau, ils m'ont dit, vous avez pas le droit, je sais pas quoi. Ouais, j'essaie, faut être un grand bandit, hein. Mais je veux me protéger, moi. Oui, mais il faut acheter dans la rue, genre chez les vagos ou les bolos, les balas. Je veux me protéger avec des capotes, mais avec un couteau, c'est mieux. Tu te protèges, toi? Bah ouais, avec des capotes, avec les pites. Avec les pites. C'est bien, ça, mon frère. C'est pour dehors, tu vois. Ouais, c'est pour les bandits, quoi. Ouais, les gros bandits. Les grands bandits. Bah vas-y, on fait quoi? On cherche un boulot, on fait quoi? Moi, je te suis. Maintenant, on est un duo, attends, on reste un duo. Attends, il y a un taxi là-bas. Il est. Tu vois que j'ai ouvert, mon frère? Attends, tu veux le voler? Bah oui. T'es malade. On va aller en prison. Attends, faut le disque, Vas-y, je regarde. Attends, le dinosaure, il surveille. Non, c'est pas possible. Dinosaure, il surveille.
y a un tableau là-bas. On va le voler. Vas-y. Y a pas d'essence. C'est on va où? Chemin, on va faire un petit footing. Mais tu te fous de ma gueule avec ton footing, je veux de l'argent moi. Et alors moi, on va aller au Pôle emploi. D'accord. Allez, vas-y. Ah, c'est là Pôle emploi. Mais toi, t'es vraiment un fragile des trottoirs, c'est pas possible. Non, t'as pris quoi toi? Tu travailles dans quoi? Ouais, c'est Bahamas, Mamas, un truc comme ça, je sais pas. Mais c'est quoi ça? On gagne bien ou pas, tu sais? $40, c'est pas mal. Bah vas-y, je mais sans pas. Travailler, hein. Tu travailles pas. Mais c'est quoi? En fait, tu reçois de l'argent, mais tu travailles pas. Mais non, c'est mais ça, c'est ça mon frère. Mais ça existe pas les métiers comme ça, aussi simples, c'est pas possible. Mais si, moi je travaille là, mon frère. Bah on verra. En hein. fait, on travaille dans un bar, mais il y a personne qui va dans le bar parce qu'il pue la merde. Du coup, on fait rien. Bon, prochaine étape. Du coup, prochaine étape, on va aller crocheter un véhicule. Mais t'as pas les outils. Si, va acheter les outils. Non, mais il faudrait qu'on trouve, tu vois, des gens qui vendent des armes blanches. Comme ça, on prend un petit... Ouais, viens, on va le t'aider. Il y a beaucoup de gens là-bas. Ouais, mais là-bas, c'est trop risqué. Il y a trop de gens, il y a des caméras et tout. Ah ouais, c'est vrai. C'est moi, je suis con. Trouver quelqu'un, genre, on demande à un mec dans la rue qui est un peu, genre, thug life, tu vois. Mais au pire, on va chez les vagos, hein. Ouais, mais les gangs, là, de Los Santos. Mais t'es malade. Bah oui, ils ont des AK, hein. Ouais, mais non, mais moi... Des AK, mon frère. Oui, mais ils ont sûrement des couteaux, hein. Pourquoi faire une AK? T'es fou, toi. Non mais un couteau je te dis Alhamar. Ouais mais les couteaux c'est pas pour tuer des gens hein. On est d'accord hein. Ouais c'est pas pour tuer des gens hein. Non. Il y a un terrain. Pas du tout. Ah, j'ai l'impression que tu mens quand pas même du tout, là. Hein. Ah non pas du tout. Je vais faire que du bien avec ce couteau. On va aller couper des saucissons. Bien sûr pour le salami hein. Vas-y viens. Monsieur. Salut mon frère. J'ai besoin d'aide là. Ah non, c'est bon. Bon non, rien. Passé, mon frère. Ouais, je vais bien, mais je sais pas. C'est mon cerveau qui s'est déconnecté. Genre, je suis sorti et boum. Mais non, mais après, j'étais devant la portière et ça a bloqué. Ah ok. Moi aussi, j'ai des problèmes de cerveau. Des fois, je vois là, des fois, je vois là-bas. Je vois là, des fois là-bas. Ah ouais, lui aussi, il est narcoleptique, je crois. Ouais, c'est bon. Ça va, monsieur? Toi aussi, t'es narcoleptique. Des fois, je suis là, je saute. Des fois, je suis là, je saute et tout. Regarde. Mais vous faisiez quoi dans le taxi? Ouais. T'as cru non, que le taxi c'était un abri. Non, je regardais s'il y avait. C'était bien nettoyé. Bah, allez, on y va, collègue. Allez. En fait, tu voulais. Ah, parce que je vais porter plainte. Il voulait voler. Non, t'inquiète. Non, mais. Je voulais faire croire que c'était le mien, tu vois. Comme ça, je dis c'est mon taxi. Marche pas. Je dis, ouais, je vais porter plainte. Sinon, et si tu veux pas que je porte plainte, tu me donnes de l'argent, tu vois. Vas-y, viens, bon. Viens, on fait un petit footing. Mais là, je suis trempé, hein. Ah oui, mais on moi aussi, tout à l'heure, je fais une douche. On dirait une chatte mouillée. arrête de t'exciter, alors. FBI, laissez-nous, on réquisitionne la camionnette. Monte, mon frère. Attends. Monte, mon frère. Merde. Allez, go. Ouais. On est là. Tu fais quoi? Bon, il pue un peu la merde, hein, mais... On s'en fout, c'est pour aller à notre destination. Après, on le rend. Regarde cette... Ah ouais, mais tu sais conduire ou quoi? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est le bordel. Eh, mais tu sais conduire ou pas? Ouais. T'as appris à jouer à conduire une voiture sur GTA, c'est ça? Ouais, sur GTA RP même. Mais t'es un ouf. Vas-y, fais. Mais. Oh, t'es au courant que c'était les flics? Mais non, t'inquiète, il y avait personne. Ouais, mais il y avait la voiture, mais je crois que le gars qui était avec l'autre gars, c'était un flic. Ah, s'en bat les couilles, c'est des flemmards ici, les flics. Ça ouf. Le mec, tu le vexes pas, hein. C'est à moi, mon frère, hein. Tu lui demandes de tout décrochage. Mais toi, t'en as déjà? Non, mais je vais aller m'acheter. Tu lui dis, ouais, salut Bill, je peux avoir un outil de crochetage? Et il va dire oui, normalement, pour $20. Ah, aïe, oh, putain. Ah, désolé, mon frère, désolé. Ah, ça va, c'est une égratignure. C'est lui, Bill? Wesh, Bill, ça va ou quoi? Wesh, ça va tranquille. Ouais, un outil de crochetage. Ouais, t'es ma ta gueule! Pardon. Ça va tranquille? Ta gueule! Ouais. Ah, désolé, c'est bon, je rigolais, tranquille. Je viens faire du business. Des outils de crochetage, ouais.
va de là, ouais, vas-y, tiens. Le sac, tiens, le sac qu'il vend là, c'est un sac pour mettre des trucs dedans ou quoi? T'en as pas besoin, enculé. Salut mon frère. Ça va ou quoi? Salut, salut. Attends, je reviens, dinosaure. Mais ils, ils sont tous mis ici, c'est où? Ouais, je crois. Je vais pisser, j'arrive. Ah bah t'es là. C'était pas tes frères. Ah, j'ai pissé là, c'est la bière. Mais ça fait deux fois que tu pisses. Oui, mais c'est la bière. J'ai des problèmes de pisse. Ah ouais, mais tu bois de la bière, hein. Ouais, mais en fait, deux gouttes de bière, c'est 3 litres de pisse. Ah ouais, quand même. Ah bah... Ouais, oh, what? Eh, regarde le pauvre Bill, il s'est fait écraser. Fais gaffe à l'excès de vitesse, hein. J'ai pas envie de me faire choper par les flics, moi. Ah, mais je suis à 30 à l'heure, wesh. Moi, je dirais que je suis ton otage. Quoi? Espèce de fils de pute, hein. Bah oui, regarde, tu vois pas mes mains, je me suis mis une corde. Je déconne. Mais c'est toi le braqueur, c'est moi l'otage, bah. Ah, le braqueur, l'otage qui conduit. Et moi, je suis tout au fond du van, c'est sans arme. Allez, conduis. Oui, mais tu me pointes, des points, tes points, quoi. Je pointe ma grosse. C'est dangereux, hein. Waouh. Ok, bah faut faire une carte, hein. Bah vas-y. Et ta carte d'identité, tu l'as plus ou pas? Moi j'ai pas d'identité, moi je suis le dinosaure. Mais tu sais que si y a un contrôle de police, tu dégages, hein. Non, ils vont faire une exception, j'irai au poste et puis je dirai je suis nouveau et tout, t'inquiète. Ah ouais. Parce que le dinosaure il va faire pression, quoi. T'inquiète même ouais, pas. Ouais, voilà. Je vais arriver, je vais faire mon cri de dinosaure là. Dino. Ouais, regarde mes pieds. mais t'es con toi aussi. Pourquoi t'as pas mis des sandales ou quelque chose comme ça, je sais pas. En vrai, j'ai même pas fait ça. Tellement j'ai les pieds durs comme les pieds d'un dinosaure. Va là-bas. Ah, salut, Danizo. Ouais, David, bien quoi. Ouais, demande-lui Ah bah super, il me faut une carte d'identité. Bon bah on va... C'est où les cartes d'identité? C'est au commissariat, mon frère. Bah vas-y, hein, faut y aller, hein, je peux pas. Putain, mais on fait que des allers-retours, là, hein. Mais ouais, en plus j'ai 10 millions sur moi, il faut que je mette dans mon compte. Quoi? Non, je déconne. Attends, je mets des chaussures. monte. Ah, t'es sérieux? Attends, vas-y. Vas-y, roule. Vas-y, les chimistes, ils vont arriver là. Mais ils ont la plaque, non? Je sais pas. Non, c'est... Putain. Oh, les potos qui tombent. Oh là là. C'est quoi? On dirait ta gueule, la voiture. Quoi? Regarde mon feu, regarde mon feu. Entre ça et ça, y'a... What? Eh, attends, regarde. Tu vois la merde, là? Aucune différence. Vas-y, remonte. Ah, c'est là, le... Comment ça va? Ah ouais, c'est allé, là, du coup. Ok, le mec qui s'appelle Baril. Je le connais, c'est... Non, bon, c'est un fils de pute, mais je le connais. Tu dis rien. Non, mais il veut vraiment pas. À part qu'elle est déglinguée, mais il veut rien. C'est là, viens. Ici c'est pour les agents. C'est ici pour... Je veux dire, salut, c'est les dinosaures. Non, d'accord, bah je vais rappeler. Salut. C'est les dinosaures. Ok, regarde là-bas, regarde. C'est lui, là, Baril. Donne-moi lui une carte d'identité. Ok, lui, là. Ah oui, salut Baril. Ouais, je peux avoir une carte d'identité, merci. Ah, c'est 2$, c'est pas cher chez vous. À New York, c'était plus cher. Merci beaucoup, bonne journée. C'est bon. Ouais, elle est là, c'est bon, je l'ai. Bonjour. T'as vu, les gens, ils laissent traîner leurs objets par terre, même dans le commissariat, c'est fou, ça. Elle est où, ma voiture? Bah, ils ont volé notre voiture. Bah oui, bah aussi, si tu fermes pas la clé, hein, super. Mais, j'ai... On avait pas la clé. Ça marche pas, je vous remercie. Oh merde. Vas-y, y'a pas de voiture. Oh bah super, encore. Attends, regarde, tire mon doigt. Voilà. Mais t'as pété là? Ouais, c'est mon foie, t'es dégueulasse, hein. Attends, bouge pas. Vas-y, dégage. Ah.
Bon, vas-y, faut trouver un véhicule là. Viens, y'a un parking. Vas-y, c'est vide. Mais toi, hey, c'est pas marché, c'est un truc de ouf. T'es bigleux. Ah, regarde. Ouais, y'a pas de voiture ici, mon frère. Vas-y, viens. Ah oh, tu sais pas marcher. Mais j'ai mal au muscle, moi. Moi aussi, j'ai mal au muscle, à force de rigoler. C'est le level up. Tu te rappelles, c'est là qu'on s'est rencontrés, hein. C'était il y a même pas quelques heures. Ça fait un bail, hein. Ouais, ça fait un bail, hein. Ça fait quelques heures. Une heure et demie, mais bon. Une heure et demie. Maintenant, on est dans le grand banditisme, hein. On est là. T'es sûr? Ouais, on est là, regarde. Je pense pas, hein. On tape des inconnus, regarde. Tac, tac, attends, tac, bam, bam. Le van. On était fous. Eh, mais toi, tu vas te faire renverser, hein. Là, la Lille, loulou. On se casse. Il se passe quoi? Expliquez-moi, venez-moi. Bonjour, mon frère. Ça va ou quoi? Bonjour. Mais tranquille, Samir la pota. Ouais, nous, en fait, on cherche un véhicule. On cherche des couteaux pour saucisson. Bien sûr, c'est la poutée, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais non, mais c'est une façon de parler, je pense. Ouais, c'est une façon tranquille où ça merde la poutée. Mec, tu saurais où on peut trouver un couteau pour saucisson? Pas cher. Un couteau saucisson, quoi? Ouais, bien sûr, vous avez touché la bonne porte. C'est pour moi, je connais tout la gamme des couteaux. Parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui se tabassent et tout, c'est chaud quand même. Moi j'ai des couteaux. J'ai plein de couteaux dans ma poche. Ça t'es bien calibré là. Bon les amis, je vais vous laisser sa mère, j'ai du business à faire. Allez, bonne soirée. Tu sais pas où on achète des couteaux? Enfoiré. Vas-y, viens au LTD. Ah, je m'en bats les couilles qu'il a une arme. Putain, il est sérieux. Moi non plus, je m'en bats les couilles, mais on lui parle, il se barre. La bagnole véhicule, on le vole, mon frère. Bah, vas-y, hein. Moi, je te laisse, hein. Oui. Comment ça, tu me laisses? Bah, je te laisse faire, moi. Moi, je suis juste la victime. Donne-moi tes outils crochage. Mais t'en as plus? Bah, non, j'en avais deux. Mais tu voulais quel véhicule? Là-bas? Ah non, il fume. Ah non, il fume. Ah, vas-y, mais tous les véhicules, ils fument. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mon frère. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon frère? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. T'as pas du coupe salami à me vendre? Non, j'ai pas. Ah non, t'as pas? Non, j'ai pas. D'accord. Non. Sinon, ça va, mon frère? Salut, les mecs. Salut. Ça va bien, mon frère? Tranquille. Ouais, ça va. T'as pas du coupe salami à nous vendre? Ouais, nous, on cherche une coupe salami. Non, c'est pas ici que vous avez trouvé. Quoi à vendre? Des coupes salami. Une lame, salami, une lame pour couper le salami, un couteau. L'outil pour couper le salami, mon frère. Comme celui là. Ouais, c'est pour couper les salamis qui derrière toi. Oui, exactement. Ouais, comme ça, voilà. Ah ouais. Ah, fais gaffe, ça pique. Bah, je sais pas, tu peux parler avec ce monsieur là. Ah, mais il en a qu'un, je pense, que pour lui. Je sais pas, tu peux lui parler. Pardon, mon frère, j'ai pas entendu. Vous voulez l'acheter à combien? Je sais pas, moi, 400 dollars. Mais t'es malade, c'est plus cher que le magasin d'armes. Bah oui, mais regardez tout à l'heure, c'était 200. Bah tu vas pas l'acheter 400, bah voilà. T'es con. Bah oui, 400. Mais non, tu lui fais trop de bénéfices. Je vais vendre 1000 dollars tout de suite. Ouais, vas-y, mais combien? Bien sûr. 1000 dollars. Combien? 1000 dollars, ma maison, ma voiture et ma mère pendant que tu y es. Bah, allez l'acheter à 200 dollars alors. Trop cher, t'es fou. Allez l'acheter à 200 dollars. Ouais, mais le problème c'est qu'on peut pas, ils nous ont dit ouais. Bah voilà. Tu vois, donc voilà. Je suis en position de dire le prix que je veux. C'est pour ça le prix est tellement. Mais 400 c'est bien 400. Bah non. Bah 600 et c'est lui qui paye. Non, vous allez payer tous les deux. Toi tu donnes 400 et lui 600, ça fait 1000. Moi j'ai pas d'argent moi. T'as vu comment je suis habillé comme un clochard? Lui il est bien habillé lui. Rien du tout. Tu vois. Ah bah. Y'a que lui qui a tout l'argent. Lui il a tout. Ah bon? Bah s'il a 1000 dollars, bah écoute. C'est normal, moi je suis le super dinosaure. Ah ouais, tu dis encore lui, hein. C'est toi qui es wish. Lui, t'as vu ce clochard, il est en caleçon. Croix de rouille, la bute. Qu'est-ce que t'as dit, mon frère? Non, j'ai dit, t'es le meilleur. C'est moi le dinosaure. C'est moi le dinosaure, hein. Si t'es le dinosaure, c'est alors qui achète. C'est qui qui a l'argent? Achète le couteau 1000 dollars. Comme ça, c'est ta griffe. Ouais, mais... C'est lui. Ouais, allô, ouais, maman, ouais. Okay. J'arrive. Bah, vas-y. Oh, il va partir. Bon, bah, vous laissez. Bah, hein. Merci. Salut. Quand même, les gars. On n'a pas l'argent, mais monsieur. Au revoir, mon frère. Au revoir. Tu vois, j'ai essayé de négocier, tu vois. Ouais, mais c'est des arnaqueurs, hein. Mais oui, mais toi, t'es là.
400$, c'est trop cher déjà. Ouais, mais moi j'ai l'argent, hein. Moi j'ai 1000$, hein. Mais ouais, mais après t'as plus rien, 1000$ c'était trop cher. Oui, mais bah justement, j'ai dit 400$. Ouais, ouais, bah je sais, mais lui il voulait vraiment 1000$, c'est un ouf. Il y a le capot et tout. Non, je dois te parler, viens. Viens, mais je dois te parler. Ouais, vas-y. Wouah, 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 wouah! Ah putain! Ah! C'est des fous ici, hein? Ah, je crois qu'il m'a. Ah, j'ai une entorse! J'ai une entorse, j'ai une entorse! Oh, mais c'est des malades! Oh, la vie de ma mère, viens là! C'est des malades, hein! C'est des malades, mon frère! J'ai une entorse, j'ai une entorse! T'as pas à boire! T'as pas à boire! Ta gueule, j'ai une entorse! Ouais, mais je m'en bats les couilles, t'as pas à boire! Ah, ok, le petit, tu m'as tout de suite! Ah, putain! Ah! Pardon. Le petit, tu m'as tout de suite! Tout de suite! Tout... Ah, putain! Pourquoi? Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout de suite! Tout de suite! Allez! Oh. Allez, monte. Monte. Prends le volant. Ah, okay. Putain. Ah. Allez, go. Hey, t'as pas de radio, t'arrives. J'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Mais non. Faut que j'aille à la police. Ah, putain. Merde. Ah putain, y'a personne. User joined your channel. Ah putain. User putain, y'a aucun flic. Allô? Allô? Merde, j'ai pas de son, putain. Allô, Danny? Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Danny? Ouais, je t'entends, mon frère. Ouais, c'est bon. Ouais, je t'avais ou quoi? Ouais, ils m'ont kidnappé, mais ils m'ont juste pris du chocolat. C'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Mais t'as pas pris d'argent. Ils m'ont juste pris du chocolat. Non, mais j'avais pas d'argent sur moi. Mais moi, là, je suis encore blessé, je peux pas bouger. Tu peux venir me chercher. On va à l'opposition, mon frère. Faut aller à l'hôpital et après, faut aller porter plainte, ok, hein. Ouais. En plus, j'ai vu le visage. Hein, ils t'ont pas, menacé, si? Si, mais ils m'ont dit que j'ai rien vu, alors que j'ai vu. Ils t'ont mis un sac et tout? Non? Non, j'ai vu. J'ai tout vu. Ouais, de toute façon, t'as vu leur tête avant même que tu montes dans la voiture, donc. Bah, vas-y, je t'envoie la poste. Ouais, mais. Et si je balance au flic, je vais dans la même, non? Bah, t'as dit ton nom ou pas? J'ai dit Dino. Ouais, Dino, mais au pire, tu dis que c'est un surnom, tu vois. Oui, mais ils m'ont aussi demandé ton nom. Tu te fous de ma gueule? Oui, non. T'as dit quoi? J'ai dit Danny. Hein? Maman! Non, mais pleure pas. Je vais me faire, mais je m'en bats les couilles, je suis un dur, frère. Qu'ils viennent, je les encule. Y a pas qu'à seul Danny, hein, dans la ville. Hein? Ouais, tranquille. Non, mais de toute façon, si jamais ils viennent vers moi, je les défonce. Ouais, comme toi, mon frère, hein, parce que jamais... on a eu, hein. D'où ils viennent, ils m'écrasent et ils t'enlèvent, c'est des malades. Ouais, c'est des malades, hein, ils connaissent pas, hein. Vas-y, on je te vois la pause et après on va chez les flics, hein. Ouais. Nique sa mère. Vas-y. Mais je vais dans la merde, moi. Mais non, dis-nous, il y en a plein aussi. Les Antillais, il y en a plein qui s'appellent. Ouais, mais ils m'ont vu, s'ils me revoient, je suis dans la merde. Eh ben, tu changeras tes habits. Avec ta dégaine, si tu changes d'habit, on va pas te reconnaître. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais non. Mais fallait venir avec une voiture. je suis blessé, mais j'arrive pas à boiter. Mon corps il est bizarre. Mais là ça va mieux, t'inquiète, j'ai pris un doliprane qui était dans ma poche. Bon vas-y, on va chez les flics, hein. Parce que t'as pas de poche, hein. Moi je vais les dénoncer. Viens, on les dénonce, on s'en bat les couilles. Mais on va être dans la merde, mon frère. Mais non, tranquille, on va changer d'habit, on va changer de coupe de cheveux. On se fait petit. Mais de toute façon, on est des grands bandits, hein. Non, mais même, il y a des millions de personnes, mais il n'y a pas qu'un seul Danny et qu'un seul Dino, t'inquiète. Mais en fait, ils avaient pitié de toi, hein. Mais il m'a fait mal, ils ont voulu s'attaquer à un vrai bonhomme, hein. Il m'a fait une entorse. Pas une fillette. Il m'a fait une entorse, du coup, moi j'ai fait quoi? J'ai fait, ah ouais, ils veulent le braquer, hop, je fais semblant, tu vois. Comme ça, je t'ai laissé dans la merde. Attends. C'est quoi une entorse? Genre, il m'a fait mal au muscle. Il m'a foncé dans la jambe, t'as vu ou pas? Regarde, j'ai un gros bleu là. Ah ouais, c'est vrai. Attends, t'as mal là? Ah putain, ouais, quand t'as pu, arrête. Ah ouais, quand même. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va et vous? Ça va, mon frère? Pourquoi je peux pas acheter? Moi non plus. Parce que ici, en fait, ici, ils sont cons. Et mais c'est un arnaqueur, mon gars. Il faut aller que je lui donne de l'argent, mais sans rien. Mais c'est un ouf. Faut aller au LTD. C'est où? T'as pas un GPS?
Non, bah non, je te... Ah ouais, c'est vrai, tu dois aller l'acheter au LTD. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, okay. Je sais pas, hein. Nous on a pas de voiture. Hein. Ah non plus. Vas-y, bonne chance. Merci. Ah, il est 17h01, il est en retard. Il est 17h01, il est en retard. J'ai vu ça. Il est en retard. Bien sûr, mais il y a votre collègue qui s'occupait de moi, elle est partie, donc je sais pas. Ok, bah bonjour. Je vais la rappeler. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est qui s'occupait de vous? C'est une dame qui était okay. À la... Ouais, non, oui, c'est 23. Même celui... Attends, je le dis qu'il est en retard. T'es en retard. Ouais, dis-nous, c'est toi qui porte plainte, hein. Il m'a raccroché. Non, non, c'est nous. On venait avec moi, c'est trop tard. Non, c'est toi. Moi, je suis le... Très bien. Bah, t'es témoin, mon frère. Moi, je suis témoin. Bah voilà, tu reviens, mon frère. Mais c'est toi qui porte plainte, moi, je suis témoin. Ouais, mais tu viens avec moi, mon frère. Vous êtes en caleçon. Oui, tranquille. Mais non, je suis bien sapé, là. Vous êtes pas froid, comme ça? Non, 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 je suis bien sapé, là. Eh, je suis sapé comme jamais. Eh, je suis moins habillé que toi. Aucun respect. Dis-lui que je te mets habillé que lui, hein. Allez, toi, bout de là, de te raccrotonner. Bon, il fait quoi, mon père, là? Moi, je l'attends. Il est hyper actif, hein, lui. Ah, mais il est fou. Eh, hey, calmez-vous, monsieur. Ah, ils vont t'embarquer, hein. Mais vous savez pas qui je suis, moi. Bah si, t'es un mec qui tape des portes. Bah ouais, mais en fait, c'est interdit, hein. Oui. T'es pas un policier, hein. Non, mais je suis le fils du juge. En fait, je suis un dragon. Ah ouais, au sol. Vas-y, ouais, montre ta carte d'identité. Ouais. Chut, c'est bon. Lui, c'est le fils du juge. Non, j'y crois pas. Mais lui, il peut entrer, genre. Mais ouais, mais... Merde, j'y crois pas. Eh, hey, t'es sûr que c'est toi le fils du juge, mon frère? Bah bien sûr, attends, je vais l'appeler encore. Ah, d'ailleurs, monsieur le juge, si vous souhaitez... Il fait quoi, lui, cet enculé, encore? Eh, je crois pas du tout. Il vient ou pas, un jour? Bonjour. Bonjour, mon frère. Bon, je sais pas bonjour, ce qu'il fait, hein, mais tu peux l'attendre, hein, à mon avis. On est stagiaire, superviseur. Eh, viens, on se pose la main, mon frère. On est, en fait... Oui, là-bas, tous les policiers, là. Danny, viens, on se casse. Mais... Vas-y, mais... Bah, vas-y, c'est pour toi, de toute façon, moi, je m'en fous, hein. Bon, insultez-le, hein. Mais moi aussi, je m'en fous. Bah, vas-y, je m'en fous, mon frère. Si, faut là, on va chercher du coup salami, hein. Vous attendez quoi, messieurs? Bah nous, on attendait des policiers pour porter plainte. Pourquoi? Parce que le monsieur là, il s'est fait enlever, en fait, devant moi, et moi, je me suis fait écraser par la voiture qui les a enlevés. Et moi, puis mes chocolats, hein. Moi, je te l'air pas, moi, ça. Moi, je veux bien voir votre carte, moi, parce que moi... Tu parles à qui, toi? Ah ouais, d'accord. Bon, attendez, messieurs. Ah, oula. Alors... Non, mais là, il n'y a plus de respect, là. Je vous parle et vous vous barrez, ça se fait pas, hein. Non, non, il y avait un monsieur qui était en train de péter un câble. Alors attendez. Ouais, on vous attend, ouais. Mais du coup, moi, je veux une preuve que vous soyez le fils du juge. Allez-y, passez-moi. Passez-moi tout ce que vous savez. J'avais noté et tout répété. Mais moi, je veux savoir moi, tout si vous êtes bien le fils. Bah, George Milton, actuellement adopté par le juge en lui-même. Bah, je veux voir des papiers, moi. Moi, voilà. Je parle pas d'une plainte à n'importe qui, monsieur. Ok, bah tant pis pour vous, alors. Hop. Au revoir. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Et vous laissez tomber, vous cahiez comme ça, hein. Et comme on dit, Nel Wuldick, hein. Et vous pouvez la ramasser, hein. C'est impossible que vous soyez le fils du juge, c'est impossible. Y'a aucun respect, là. Ouais, moi, à New York, c'était mieux, hein. Je viens de New York, c'était mieux, hein, franchement. Danny, viens. Moi, je viens de Grove Street, et alors? Tu m'en vas pas, enculé. Attends. On va aller faire notre propre justice, nous. Moi, je viens de Grove Street, mais il m'a adopté, le juge, c'est pas mon père-père. Mais... Donc t'es un ballast. Non, je suis pas un ballast. Allez, viens, alors. Vas-y, hein, on va faire notre propre justice. Ouais. Je t'avais dit que c'était des flemmards, mon frère. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Hein. Mais oui. Il faut couper du salami, là. Et du salami, hein. Ouais. Des gros saucisses aussi, hein. Y'a quelqu'un. Ah ouais. Un clochard. Regardez le clochard. Y'a des chocolats, y'a des chocolats. Ouais, mais si tu ramasses par terre, ça se trouve, ils sont. Y'a de la drogue ou je sais pas quoi. Bah là, moi, je fais le footing tout à l'heure. Vas-y, mais t'es sérieux. Vous allez à la plage? Non, non, moi, c'est les habits que j'ai achetés quand je suis arrivé en ville. C'était le moins cher. Hein. Je suis pauvre. Ah hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, vous avez la classe. Quoi, hein, dans la vie? Vous, là, vous avez la classe. Et moi, c'est pas si camarade. Moi, je travaille aux Bahamas, je sais plus quoi, là. Ah, tu sais plus quoi. Mais le boulot, il est pas ouf, je vais changer, je pense. Hein. Ah ouais. Mais là, j'étais avec mon pote, mais lui, c'est un clochard, il s'est barré. Ouais. Oui, tu penses que quand tu auras assez d'argent, tu vas te faire opérer pour ton nez? Opérer? Eh, laisse-moi, on est tranquille. Pourquoi tu dis ça? C'est Pinocchio. C'est pas cool, mec. Il est bien, mon nez. Ouais, il est très bien, ton nez. Quand tu mets un coup de boule, ça te perce comme ça, bam! Ouais. Regarde, c'est quoi ces mecs en slip? Oh, ah oui, d'accord. Bon, vas-y, les gars, je vous laisse. Vas-y, salut. Salut, Zlatan.
Ce bâtard, putain. C'est un malade. Et on va se faire choper, hein. Monte. Allez. Demi-tour, passe pas vers les flics, demi-tour. Je suis pas con, hein, je suis pas comme ça. Oh mon dieu, comment tu conduis. Vas-y. Attends, sors pas, si t'as pas les clés, sors pas. Comment on monte? C'est abusé comment ils se garent, les gens. Tu peux pas. Salut mon frère. Ils ont plus de carte bancaire, je crois. Si, un gars là. Bon, voilà, tu vois, tu veux toujours faire le fort. Arrête. Oh non, putain. Pourquoi tu veux toujours faire le mec? Pourquoi j'ai plus accès au véhicule? Je sais pas, moi non plus. Ouais, bah super. Oh non, oh purée de pommes de terre. Mais t'as fermé et ça a bloqué les portes. Regarde-moi, c'est débile. Oh. C'est quoi ce véhicule là? Oh, il fait quoi la voiture là? Oh, dégage! Achetez un autre téléphone. Et je crois qu'il est un électrique, non? Hein? Non, mais t'inquiète, moi je suis un lentillé. Hein. Ouais, je sais. T'aimes bien les saucisses lentillées? Ouais, c'est bon, mais blagues des fois, on comprend pas. Sors. Vas-y. Sors du véhicule, mon frère. Vas-y, au revoir. Ah putain! Eh, sors, je vais aller cacher le véhicule. Oh mon dieu. Ma gueule change. Vas-y, j'ai acheté de l'eau. Bonjour. Ah, ne sortez pas de l'eau. Ça risque d'être compliqué. Vous êtes vraiment cool, les mecs. Voilà, pour la prochaine fois. Ouais, le dernier sort. Vas-y, viens. Eh, j'ai caché le véhicule. Viens, je l'ai caché. Gros, comme ça, tu l'as caché. Tu fais quoi? Wow. Non mais il est un peu détraqué de la tête, ce gars, vous inquiétez pas. Ouais, mais Julie, fais attention, moi je passe une pote. Ouais, t'inquiète. Ouais, tu vas avoir des problèmes, toi. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et t'as monté sur son véhicule. Il a commencé et à péter un câble. Hein. Je lui ai dit, non, t'inquiète, c'est un détraqué mental et il fait pas exprès. Donc moi, je suis un handicapé. Ouais, bah, non, mais c'est pour te sauver, tu vois. Ah d'accord, merci beaucoup. Ah, tranquille, hein. Bon, il fume un peu. Il fume. Hein. T'as fait quoi avec? Bah, je lui ai donné un peu un joint, mais kiffé, hein. Mais si t'as mis un joint dans le moteur, ça va pas aller, hein. Ah, c'est pas bien. Oh là là, la marche arrière, l'angle mort. Vas-y, on se capte à la prochaine, hein. Il va m'appeler. Bonjour, vous cherchez un taxi? Vous cherchez un taxi? Non monsieur, j'attends un fils de pute, je lui ai envoyé un message. Ah ok, bah, non, merci, bonne journée. Ah vas-y monte. Non, ça va, fils de pute. Attends, vas-y, conduis, comme ça c'est pas moi qui me fais niquer. Comme ça s'il y a les flics, c'est toi qui prendras tout. Fais vraiment tout pour sauver ton cul, hein. Ouais, truc de ouf. Bah ouais mon gars. Moi je vais faire du business, hein. Je vais pas faire de la prison. Ah ouais, on peut faire. Je le coche, je le fais. Fais le gay. C'est bon. Monte. Putain, comment elle claque en plus. Elle défonce la pas celle-là. T'as dit quoi? Elle est stylée. Défonce pas la voiture parce qu'elle est trop classe. Hein. Bah ouais. Faut qu'on la garde le plus longtemps possible, tu vois. Toi, tu travailles en quoi? Mais moi, je suis comme toi, moi. Bah, ramasse. Mais faudrait prendre un autre boulot, genre avec des gens et tout, de la clientèle, tu vois, c'est mieux. Ouais, je vois, mais il y a beaucoup d'arnaqueurs. Hein. Ouais, je sais. Genre, taxi, moi j'ai essayé, hein, mais il y a que des arnaqueurs. Pourquoi les gens ils te payent pas comme il faut? Ouais. On les livre à destination et après ils se barrent en courant. Soit ils nous braquent, soit ils courent. Ah ouais, les taxis, c'est le métier de la victime. Ah d'accord, bah je te laisse la voiture alors. Vas-y. Ma, admet Danny, Danny Zo. Vas-y, tcho, le dinosaure.